Notre geste en faveur des déplacés des régions sous occupation, l'association Action pour la solidarité a initié des cours de rattrapage à l'intention des élèves candidats à l'examen du diplôme d'études fondamentales DF. Ces cours, qui concernent plus de 500 élèves à travers les 6 communes du district, ont été lancés cet après-midi au groupe scolaire 2 de Sogonico en commune 6 au compte de l'Académie de la Rive Droite. L'association Action pour la solidarité. Et toujours au chapitre des actions de solidarité, plus de 15 millions de francs CFA, c'est la valeur d'un important lot de médicaments remis cet après-midi au ministre de la Santé. Ces dons de l'Ordre des pharmaciens du Mali est destiné aux populations du nord du Mali. Ramata Konaté a suivi la remise, son compte-rendu. Destiné aux populations du nord du Mali, ce don est composé entre autres d'antibiotiques, de médicaments contre le paludisme, l'hypertension et l'ulcère. C'est un geste de l'Ordre des pharmaciens du Mali. Les pharmaciens maliens ont décidé de faire un don de médicaments à la population du nord. Alors, la décision a été prise après l'Assemblée générale convoquée par l'Ordre des pharmaciens, uniquement pour les problèmes, sur les problèmes du nord. Donc nous avons décidé de faire les dons au ministère de la Santé parce que d'abord nous sommes tributaires du ministère de la Santé. Ensuite nous pensons que c'est le ministère de la Santé qui gère la santé de tous les Maliens. Cette cérémonie de remise a servi d'occasion pour le ministre de la Santé d'inciter les éventuels donateurs à suivre cet exemple des pharmaciens. Le ministère de la Santé souhaite vivement que tous les dons de médicaments passent par le ministère de la Santé. Pour la simple raison que les médicaments constituent des biens particuliers, spécifiques, qui ne sont prescrits que par les médecins et distribués par les pharmaciens. Donc je souhaite vivement que tout le monde passe par le ministère de la Santé. Il sera fait bon usage de toutes les donations. La valeur des médicaments remis est estimée à plus de 15 millions de francs CFA. C'est la deuxième fois que l'Ordre des pharmaciens du Mali manifeste sa solidarité à l'endroit des populations du nord du Mali.